vous écoutez la radio présentement, vous pouvez nous appeler au numéro pour vos souhaits. 786-414-68-78. 786-414-68-78. Et vous serez live sur nos ondes. Maximum Melody qui chante déjà Antenda, c'est une note de louange. Respiration sur le www.respirationplus.com.
Si vous êtes aux États-Unis, eh bien, vous pouvez nous écouter sur un numéro de téléphone. C'est le 213-493-0167. La ligne est ouverte à vous tous qui nous écoutez présentement. C'est le 786-414-6878. Une autre note avant la réflexion du jour avec Mr. Doll. Appelle-moi. Sans s'y attendre, une vieille connaissance, longtemps perdue de vue, sans le vouloir. Quand les regards se croisent, les larmes les confondent. Des années d'amitié défilent en une seconde. Sauvé dans son amour, égardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour.
Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration. Voici la réflexion du jour. Je vous ai appelé ami. Jean 15, le verset 15e. Je vous ai appelé ami. Jean 15, le verset 15e. Ami de Dieu. Pour devenir l'ami de Dieu, vous devez le désirer plus que toute autre chose. Le désir le plus cher du cœur de David était de connaître Dieu intimement. Il se sert souvent de mots comme avoir faim et soif de Dieu au brûler du désir de le connaître. Je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Ta bonté vaut mieux que la vie. Jacob désirait tant la présence de Dieu qu'il lutta toute une nuit avec lui. Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Le plus incroyable, c'est que Dieu, lui le Tout-Puissant, accepte de lutter avec Jacob et le laissa quand même l'emporter. Pourquoi? Parce que la lutte exige un contact personnel, elle nous rapproche vraiment de lui. Paul aussi désirait passionnément devenir l'ami de Dieu. J'ai renoncé à tout afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances, afin de devenir semblable à lui. Devenir l'ami de Dieu est le fruit d'un choix délibéré, pas le fruit du hasard. Vous devez en faire votre quête de chaque jour. Et pour cela, vous devez répondre avec honnêteté aux questions suivantes. Est-ce que mon désir le plus cher dans la vie, cela vaut-il la peine que je sacrifie beaucoup d'autres choses pour l'obtenir? Cela vaut-il la peine que je discipline ma vie et que je développe de nouvelles habitudes? Cela vaut-il la peine que je prie? Seigneur, je désire plus que tout te connaître intimement. La réponse de Dieu à cette prière est toujours la même. Si vous désirez de tout votre cœur me trouver, je ferai en sorte que vous me trouviez. Je vous promets que vous me trouverez. C'était la réflexion du jour. Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Pourquoi son amour il efface ma dette et mon péché? Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Le Seigneur m'a tant aimé, malgré que les hommes m'ont achevé. Mais il est ressuscité. Pourquoi, pourquoi? Des questions sans réponse. Bah si, j'en ai une. Ah bon? Bah laquelle? Il est le Fils de Dieu, c'est tout. Il est ressuscité. Non, c'est pas vrai. Ah non, je savais pas. Venir quand? Bientôt. Oh, trop fort. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Pourquoi son amour il efface ma dette et mon péché? Mais je sais quand j'ai la vie.